Bienvenue, ici War Survivor Crise des Gaz qui s'adresse à tout le monde. C'est parti pour la suite de FC25 sur PS5. Je vais continuer le jeu et les trophées, c'est parti. Je continue donc à m'amuser. Donc je suis en carrière de manager et je suis en Liga EA Sports. Et je vais continuer, donc je vais le match et jouer. On va remplacer le joueur. Le Real reçoit je continue. l'Atlético Inter de Madrid, très chaud. Le Santiago Bernabéu n'attendait que ça depuis quelques jours. Nous y sommes. Bienvenue à Madrid pour le derby Real Atlético. Quand tu as deux clubs aussi grands qui cohabitent dans la même ville, ça fait des derbys extraordinaires à vivre. Et vous connaissez un derby à Buenos Aires, il y en a beaucoup. Eh oui, en Argentine, on vit tout dans l'exagération. On vit tout à deux. Et le face-à-face à venir. Et c'est sur le montant. Ça joue. Oh, dommage. Ballon bien dégagé. Excellent timing sur cette interception. Hé, hey, poteau, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux pas prendre un RTT, partir en week-end pour les laisser prendre à l'avantage? Et on tire. Et voilà le but. Le match se décante. Le premier but dans cette rencontre au sommet, dans cette ambiance de dingue. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Quelques possibilités. Griezmann. Et finalement, pas très dangereux, ce tir capté par le gardien. Bien sûr, on a beaucoup entendu parler de Kevin De Bruyne dans cet avant-match. La grande question était de savoir s'il ferait son retour en tant que titulaire après une indisponibilité assez brève. Oui, il débute bel et bien ce match. Est-ce que c'est le bon timing? Les très bons, ils doivent toujours être présents. Là, un face-à-face à négocier. Oh, la belle intervention. Dommage. Anticipation, calme, résolution. Il y avait tous les ingrédients pour sauver ce ballon. Ah, le ballon est rendu. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Ah, ballon pour une frappe. Ah, le bon plongeon sur cette action. Corner. Ballon dans les pieds. Ah, c'est contré par Saliba. Ah non, c'est un ballon perdu par l'Atleti. Face à face avec le gardien. Ah, le danger encore présent. Et oui, Oblak qui se détend bien là-dessus. Dembélé qui s'applique. Et cette tête ne donne rien. Elle s'est captée facilement. Nahuel Molina. Bien fait ça, sans faute. Saveur. Molina. Le tir de Griezmann. Et c'est dans le bras du gardien. Dembélé. Ballon pour Antoine Griezmann. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Vinicius avec le ballon. Le centre de Vinicius. Oh oui, l'arrêt magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet, mais le gardien a dit non. Très bien placé. Superbe. Encore. Et sinon, il y arrête tout. Et là, c'est complètement coté. Allez,
Alexander Sorloth. Bien défendu. Il y a des solutions pour Kevin De Bruyne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le ballon est perdu. Et tire. Oh non, c'est pas possible. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves. A une tête malheureusement mal ajustée. Griezmann. Antoine Griezmann à la réception. Eh oui, signalé en position de hors-jeu. La possession change de camp. C'est un bon ballon, ça. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. Pas mal de buts là au milieu de terrain. Wild life. Ah, la défense est battue. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. C'est bien frappé par Dembélé. Voilà un bon coup de tête, mais le ballon passe à côté du cadre de Paul. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Le score est sévère pour l'équipe visiteuse. Heureusement, la mi-temps arrive. Oui, très bon timing sur cette passe. Mais quelle occasion énorme d'égaliser. Quel gâchis. Qu'est-ce que c'est frustrant, hein, de passer à côté d'une belle occasion de se réjouir. Modric. Mbappé. Pars pas la balle, toi. La progression de Kylian Mbappé. Mbappé, pourquoi pas, il frappe. Et c'est ça, c'est beau, ça. Et c'est signé Mbappé. Les joueurs importants sont toujours décisifs, quel que soit le match, quel que soit le contexte. En voici la preuve. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine. Vinicius perd le ballon. Il y a du monde en soutien. Il faut bien négocier ce ballon là. Oh, mais quelle parade! Centre de Dembélé. Sans prendre de risque, la défense. Le ballon est renvoyé. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Ah, Modric, bienvenue la passe. Ouh, ça c'est beau, ça. Voilà le but du hat-trick. C'est fait. Ça c'est ce qu'on aime voir. Performance. Et quel moment. Tu vois quand tu veux. Beaucoup de qualité dans ce ballon dosé par Luka Modric dans le dos de la défense. Et voilà la finition en force pour remporter son goal contre le gardien de but. C'est vrai que le coup du ballon contre le filet. L'Atlético de Madrid est en difficulté. Le début de la deuxième mi-temps. La parade, quel arrêt sur cette action. Dommage. Cet arrêt, la présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P, aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement tapée, aucun danger. Aucun problème. Offensivement, le Real interprète une partition idéale. Tout y est. C'est une symphonie des buts et des jeux offensifs. Un bon contre à jouer peut-être. Ah oui, duel remporté. Et ça joue sur Vinicius. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Attention Vinicius. Et oui, au black. Oh non.
Et bien frappé ce corner. C'est dégagé mais temporairement. Et finalement aucune inquiétude pour la défense. En bonne position. Le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, ça sort aussi. Malheureusement, la possession est perdue. Un défenseur anglais sur le marché des transferts, c'est officiel. Kieran Trippier a signé à Manchester United. Compte tenu de son âge et de son expérience, c'est sans doute son dernier transfert avant la retraite sportive. Frappe surpuissante et vu la distance, il fallait oser. Le but ne manquait pour pas grand-chose hein, et c'est tout à son honneur. Kylian Mbappé. Et ça peut être dangereux. Et la tentative de l'homme. Le ballon piqué, la frappe est vraiment trop grande. Ça m'étonnerait d'ailleurs qu'on ait le droit à la même action. C'est une occasion manquée. Pour rien. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Non, sans blague. On va conserver ce ballon avec Kylian Mbappé. Allez, frappe. Le frappe. Est-ce que t'as confondu le football et le rugby par hasard hein? C'était pas par là qu'il fallait tirer. Posséder du ballon à la régulière. Alors, viens là, toi. Non, le ballon, viens là, ici, toi. Viens là, babale. Bonne couverture du ballon. Là. Il faut continuer à jouer avec lui. Voilà. Des solutions en attaque, là. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Et un arrêt sans difficulté pour Yann Oblak. Dommage. Ok. Voilà, aïe. Bonne intervention, ça sort en touche. Occasion manquée. Ouais, oh non. C'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Reprends le ballon toi. Bien. Quelle dispute là, au milieu de terrain. Eh oh, viens ici toi. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Bien. Mais non. Et la frappe. Aïe. Il a réussi à tirer. C'était pas prévu, mais bon. Et c'est pas glorieux. Pas du tout. Ah, le corner bien tiré. Et voilà, le ballon est récupéré par la défense. Allez, bien. Cours. Voilà, t'es tout seul. Et tu tires et tu marques, ça c'est bien ça. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et à la conclusion, tu mets tout ton courage, ton cœur, ton enthousiasme. Ça donne un but avec une belle valeur esthétique. Avec Kylian Mbappé. Ouh, mais quel but! Et encore un but dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et à la finition, on voit tout le talent en action avec cette frappe imparable et millimétrée d'Mbappé. Et c'est une manita, ça fait maintenant 5 buts à rien. Oh non, c'est pas possible ça.
Et rends-moi la balle, toi. Ballon rendu à l'adversaire. Et rends-moi le ballon. Y a ici toi. Dommage. Dommage. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Allez, faut tenir maintenant. Voilà comment est-ce que j'aime bien quand tu glisses. Il frappe et il marque. Ça, c'est bien ça. Bien. Cette contre-attaque, la récupération, la passe en profondeur, c'est parfait comme un bien. À la conclusion, on retrouve Mbappé à cette distance de la cage, il est toujours intraitable. Et le Résidal en attaque se poursuit, ce nouveau but en est la preuve, la défense est vraiment en souffle. Un court. Oh non, mais c'est quoi ce tir là? Plus d'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Il tire et non. Et c'est fini, ça va faire plaisir ça. 6-0. Pour le Real. Une performance de la rencontre, évidemment, c'est lui, Kylian Mbappé. Encore une fois. Vas-y, félicite-le. Ils ont bien joué. Ça, c'est vrai. Et on continue. Oui, on va sauvegarder. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas, reste passionné dans ce que tu fais. Fin de la vidéo.